Bonjour, 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 bonjour à ma femme, grande famille du Vie à travers le monde entier. Bienvenue encore dans cette semaine 18 et ici votre chief Batman Sinati Raja. Et avant de continuer plus loin, laissez-moi vous dire vraiment du plus profond de mon cœur et de tout ce que j'ai de plus cher. Bon mois, bon Ramadan à tous mes frères musulmans à travers le monde entier. Je sais que vous avez eu une fantastique célébration avec vos familles, avec votre équipe. S'il vous plaît, envoyez mes respects et ma considération à tous vos parents, à tous vos enfants, que mon oncle Tiff vous souhaite un bon Ramadan. Ce que j'ai pu voir, cela a été célébré dans la loyauté, amour et service. Puis dans tous les messages, parce que j'ai envoyé beaucoup de messages. Les personnes à travers le monde entier, je veux vous dire que Dato et Djapa vous souhaitent un bon Ramadan. Moi, je suis en train d'enregistrer à partir de ma maison parce que normalement, je devrais être dans l'avion. C'est l'inspiration de mon message du mercredi. J'ai dû changer mon programme pour 48 heures parce que je devais voyager pour Londres. Je devais aller avec Djapa, avec GMA, avec Dato Sri Vijay, avec tous les V-Partners. Leader à travers le monde entier. Nous allons soutenir notre équipe Manchester City et après cela, je vais en Suisse et je serai avec Jean Meyer. Nous allons aller voir, nous allons faire quelques vidéos et aussi nous allons aussi aller voir combien de fois les gens peuvent changer certains designs de Simier, notre marque. Aussi les montres Benage Meyer. Et après cela, je vais partir à Dubaï où je vais encore passer du temps encore avec Jean Meyer, avec Jean Meyer et quelques V-Partners. Ça va être quelque chose de magnifique pendant ces deux semaines. Tous ces messages, tous ces voyages, tout ce que je dois faire, ça m'a rappelé un message que j'ai reçu de Dato Sri Vijay. Commencer cette aventure de la manière la plus simple, il y a juste 24 ans en arrière, j'ai commencé, j'étais très jeune et je ne connaissais rien. Je suis en train d'apprendre avec Dato Sri Vijay. Mais aujourd'hui, écoute-moi bien, que tu sois nouveau, que tu sois V-Concilé, VP, V-Partner, peu importe que tu es, assieds-toi et puis écoute-moi sérieusement. Je me rappelle encore de ce jour-là, comme c'était hier, où Dato Sri Vijay est venu s'asseoir et nous expliquer de la manière la plus simple comment nous devons construire le marketing des réseaux, comment nous devons construire nos différentes équipes. Et ça m'a fait rappeler beaucoup de choses en même temps, parce que c'était vraiment quelque chose de grand et en même temps, j'ai fini par comprendre certaines choses. Souvent, je ne comprenais pas parce que c'était dans les années 2002-2003. Je ne comprenais pas, mais ça a changé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et la première des choses qu'il m'a apprise, c'est dans ce message-là qu'il n'y a pas d'erreur dans le master plan. Mais écoutez, c'est passé rapidement comme ça automatiquement parce que je suis encore jeune, je ne comprends pas. Mais au fur et à mesure, j'ai fini par comprendre qu'il avait raison. Mais aujourd'hui, je regarde aujourd'hui la jeune génération et je comprends qu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas ce genre de message. Je regarde la nouvelle génération, comme je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, ils ont tellement d'informations, tout est passé sur Internet, toutes les choses sont là aujourd'hui, toutes les choses sont acquises pour eux, toutes les formations, toutes les informations, toute la connaissance à eux. Mais tu constates qu'au fait, en réalité, ils ne comprennent rien de la vie. Je pense souvent que non, il n'y a pas d'erreur dans le master plan, il n'y a pas d'erreur dans le plan de Dieu. Une fois que je partais vers lui, je partais avec des plaintes, les directs ne m'écoutent pas, les challenges du network, les choses n'avancent pas, les choses sont ceci. C'est comme ça que c'est vrai, je ne me plaignais pas en tant que personne, je ne me plains pas à son leader, mais je venais à chaque fois, je n'étais pas d'accord avec l'industrie, je n'étais pas d'accord avec certains fonctionnements, je n'étais pas d'accord. Mais à chaque fois que je partais m'asseoir vers lui, il y avait un message profond qu'il me donnait. Il disait par exemple que non, dans ce monde entier, rien ne peut bouger sans la permission de Dieu. Rien ne peut s'élever sans la permission de Dieu. Excuse-moi, je ne suis pas en train de te dire forcément de croire en ce que je suis en train de dire. Je respecte ta religion, je respecte ce que tu respectes, mais je veux juste te partager quelque chose que tu dois comprendre. Quelque chose qui m'a impacté aussi et qui a changé ma manière de voir les choses. Aujourd'hui, la manière dont je vois la vie aujourd'hui, je suis vraiment très frustré souvent de certaines choses. Je suis souvent très fâché, je suis souvent très en colère. Là, même pour certaines choses, je ne tolérerais pas des gens qui ne pouvaient pas respecter ce que j'allais devenir ou ce que je pouvais devenir. Progressivement en train de passer tout mon temps à devenir toujours quelqu'un qui est tout le temps fâché. Vraiment toujours mécontent, fâché. Et je passais souvent des temps à maman où j'étais vraiment très révolté sur certaines choses. Un genre de leader comme ça qui est tout le temps facilement fâché, facilement irrité, facilement qui est en train de blâmer, facilement qui est en train de
toujours passer son temps en train de ne pas être content. Être rejeté, souvent, ça fait en sorte que non, tu vas vers la dépression souvent. Que ça a donné, et je me rappelle un peu lors d'un message, je disais toujours dans ce message-là que tu ne peux que donner que ce que tu as. Et en 2000, il y a 23, 24 ans en arrière, je n'étais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Plusieurs de mes amis qui étaient proches de moi jusqu'à aujourd'hui le reconnaissent. Je suis en train de partager aujourd'hui, c'est un message tellement important et ça vient du plus profond de mon cœur parce qu'à chaque fois que je m'assieds avec Dato, j'ai ma vie d'une certaine positivité pas possible. Quand je regarde ma mentalité de qui j'étais avant, aujourd'hui, de qui je suis aujourd'hui. Aujourd'hui ton leader et je représente Dato Srivijay et Chapadas Bismarck. Il m'a toujours dit, rien de ce monde ne peut bouger si Dieu ne l'a permis. D'erreur dans le plan de Dieu. Il n'y a pas d'accident dans le plan de Dieu. Tu comprennes bien cela parce qu'il n'y a pas d'erreur dans le plan de Dieu. Il faut que tu acceptes cela. Nouveau gars, que tu sois un ancien gars, il faut que tu le comprennes. Nous sommes plus de 8 milliards à travers le monde entier. Et un jour, ton leader a fait une liste et il a mis ton nom là-dessus. Il t'a appelé parce que de manière très spéciale, il t'a appelé, il t'a invité de venir le rejoindre dans une entreprise. Dans une entreprise, il y avait plusieurs personnes qui connaissaient. Tu n'étais pas la seule personne qui connaissait, mais de manière simple, c'est toi qui l'as choisi et il t'a mis cette liste. Il t'a invité et tu es venu et tu as dit oui. Tu avais plusieurs raisons, plusieurs milliers d'excuses pour ne pas être présent ce jour-là à cette grande présentation. Mais tu as été présent, tu as écouté la présentation. Comprendre que dans le plan de Dieu, il n'y a tellement pas d'erreur qu'il t'a appelé un jour spécial, dans un endroit spécial et dans une rencontre spéciale pour te présenter un plan aussi magnifique qui va venir révolutionner, changer ta vie. Et toi, après avoir fini d'écouter cette formation, cette présentation, après avoir fini de faire tes recherches, d'avoir vu que nous, il y a des mauvaises informations sur le business, après que tu as entendu du n'importe quoi sur une entreprise, qu'on dit l'entreprise est une anapte, toutes les informations négatives que tu as entendues sur cette entreprise, tu as décidé. Oui, à la personne qui t'a présenté cette activité. Pas pour que tu achètes un produit. Rappelle-toi, tu n'as pas démarré pour acheter un produit. Tu as démarré pour avoir de l'argent, pour gagner de l'argent, pour commencer ton aventure avec l'entreprise. C'est quelque chose que je veux que tu comprennes. Ça fait partie du master plan. Ça fait partie du plan de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. Ce n'est pas une erreur. Tu veux être dans cette aventure aujourd'hui. Peu importe quelle est l'issue aujourd'hui de cette aventure, si tu as une bonne aventure aujourd'hui, mais tu as une mauvaise aventure, mais tu devais être dans cette aventure. Peu importe si ça t'a déjà donné 1 million de dollars ou ça t'a pas encore donné 1 million de dollars, si ça t'a déjà créé assez de problèmes ou ça t'a pas créé assez de problèmes, si ça t'a déjà créé toutes sortes de challenges, que ça t'a pas encore créé beaucoup de challenges. Une bonne relation avec des gens que aujourd'hui tu n'avais jamais espéré avoir une telle relation avec certaines personnes. Ça a pu faire sortir ton plus grand potentiel, le potentiel le plus grand que tu n'as jamais espéré en toi aujourd'hui. N'importe si aujourd'hui même ça ne t'a rien donné et que ça t'a permis même de sortir du système. Si aujourd'hui même en écoutant cette vidéo, tu as pris toute la connaissance que tu as dans cette activité et que peut-être tu allais développer quelque chose d'autre ailleurs. Je ne sais pas. Tu devais être dans cette entreprise et tu devais être là en train d'écouter mon message. C'est qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, je ne l'ai pas planifié. Je ne planifie rien de ce que je dis. Tout ce que je dis vient de mon cœur. Voyager, je devais aller quelque part et je me suis souvenu que non, je ne peux pas voyager parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin que je puisse lui dire ce message, il y a quelqu'un qui a besoin que je puisse lui parler et c'est pour cela que non, j'ai annulé mon voyage, j'étais obligé de repousser mon voyage pour une journée, pour 24 heures et c'est parce qu'il y a une relation entre vous et moi aujourd'hui. Srivijay a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, il n'y a pas d'erreur pour des personnes qui viennent dans ta vie, ils sont mauvais comme bons, ils sont venus pour t'apprendre quelque chose. Certaines personnes vont t'enseigner des choses que vraiment, ça va vraiment t'aider. Entendre des personnes si formidables qui vont au travers de leur vie te démontrer combien de fois tu es une personne exceptionnelle, tu es une personne magnifique. Ta faute si des gens dehors sont en train de dire n'importe quoi sur toi. Non, c'est pas de ta faute. Et tu ne dois même pas penser en compte, tu ne dois même pas faire de cela aujourd'hui quelque chose qui doit aujourd'hui primer dans ta vie. Non. Personne qui vient dans ta vie pour t'aider, pour t'apprendre quelque chose, pour t'aider à voir certaines choses, pour t'aider à comprendre certaines choses. T'aider à voir réellement ton réel potentiel pour que tu puisses voir qui tu es réellement. Pas
pas de mauvais direct, les gars. S'il vous plaît, il n'y a pas de mauvais direct. Aussi souvent certaines personnes, des directs qui viennent dans ta vie et qui quittent l'activité après avoir tout donné pour eux, après avoir donné tant de sacrifices pour eux, après avoir fait tant de choses pour eux. Nous aider réellement à être des bons leaders, ça doit nous faire bien de comprendre que nous sommes des bons leaders. Si aujourd'hui tu as un leader qui n'est pas comme ce que tu souhaiterais avoir, laisse-moi te dire quelque chose. On apprend toujours de quelqu'un et tu dois être en train d'apprendre auprès de lui parce qu'il y a quelque chose qu'il est en train de te montrer que seulement tu n'ouvres pas tes yeux pour voir. Il nous dit ça tout le temps, à chaque fois il partage cela. Il dit pour lui, si tu vis ta tasse, tu peux m'apprendre même d'un fou, d'un idiot. Les crises que nous allons rencontrer, les challenges que nous allons rencontrer, les avis que nous allons rencontrer, ce n'est pas notre décision, les gars. Ce n'est pas nous notre décision, c'est la décision du plus haut. La faute, ce n'est pas les erreurs de Cunel, ce n'est pas les erreurs corporate. Non, ce n'est pas leur faute. Même si le corporate avait déjà préparé pour me faire du mal. Non, les gars, il n'y a pas d'erreur dans le master plan, les gars. Crise dans ce pays-là devrait normalement arriver dans ce pays. C'est pour cela qu'il y a cette crise. Créer un impact sur toi, qu'il soit négatif comme positif, ça doit pouvoir créer un impact. Après avoir fait face à la crise dans tes différents marchés, il faut comprendre que le master plan, c'est ce que tu as fait, mais quelle est maintenant la face que tu vas prendre maintenant pour affronter, pour aller de l'avant? Donner beaucoup de leçons cette crise-là, ça va te rendre encore plus fort. Ça te permet d'avoir des directs qui sont loyaux à toi, qui veulent rester auprès de toi, qui veulent apprendre auprès de toi. Mais les gens qui t'ont quitté vont finir un jour par regretter, par peine ça. Aujourd'hui, je sais que je suis vraiment béni et je comprends que je suis vraiment béni. J'ai une grande bénédiction d'avoir aujourd'hui Djapa et Dato dans ma vie. J'ai compris maintenant le sens de ce qu'on appelle la loyauté, les gars. Crise où les challenges vont te montrer qui sont les gens qui sont vraiment loyaux envers toi. Aujourd'hui, je veux que chacun d'entre nous vous puissiez comprendre que peu importe le temps que vous allez prendre pour le faire, vous devez savoir que non, ce sont des choses qui peuvent arriver et prenez ça vraiment avec vraiment beaucoup d'attention. C'est dans cette crise-là que tu vas voir qu'il y a des gens qui n'ont même pas fait le mass out mais qui sont là avec toi. Bon, si tu vas voir qu'il y a des gens qui ont fait le mass out et qui n'ont jamais connu des difficultés avec toi et qui quittent. N'abandonne pas lorsqu'ils rencontrent des difficultés, c'est ce qui fait qu'ils restent, ils sont focalisés. Ce sont toutes ces choses que j'ai rencontrées dans ton suivi qui fait que je suis encore là. Moi j'ai tout abandonné pour juste mes leaders. Que chaque chose arrive pour une raison, peu importe la grandeur que cela est, mais je crois que cela arrive pour une raison. Peu importe combien de fois ça fait mal. Être ton sang froid ne veut pas dire forcément que tu es froid. Être toujours émotionnel n'est pas productif. Comment ça fait que les gens se loignent de toi? Prenez cette grande philosophie, cette chose que Dato Scrivigier toujours m'explique, que tout ce qui va t'arriver, t'arrive de manière par le plan de Dieu. Et toutes les personnes qui vont venir dans ta vie arrivent à cause du plan de Dieu. Il ne faut pas répondre à tout ce qui t'arrive. Il faut pouvoir être patient et observer et regarder et appréhender cela. Et agir d'un seul coup. Non, tu stops, tu réfléchis et tu trouves des solutions. La plus difficile, la plus compliquée que je sais que vraiment j'ai pu faire de ma vie. Devenu ton grand leader, ton grand enseignant. Importe les difficultés, les challenges, les batailles de ta vie, tu trouveras des bonnes personnes qui t'aideront dans ce combat-là. Des rêveurs, tu vas trouver des guerriers, tu vas trouver des massauteurs, tu vas trouver des champions, des gens qui sont prêts à se battre à tes côtés, à être là avec toi. Et sachez aussi que l'une des choses, c'est que non, ton pire ennemi peut devenir ton grand leader, ton grand enseignant. Tous les challenges que tu peux avoir, tu vas avoir des bonnes personnes, comme je le disais. Et même si c'est le monde même qui est un grand challenge, mon frère, sois OK. Sois OK dans la tête. Je crois que le vipartner Aaron a dit, il dit, nous devons grandir à nouveau. Nous devons grandir encore. Et je suis vraiment content pour la vie. Et reconnaissant pour ce que Dato et Djapa ont fait de ma vie. Aujourd'hui, j'ai grandi. Je réfléchis maintenant et j'accepte tout ce que le master plan fait. Et peu importe les crises que je rencontre, je réfléchis avant d'agir. Je ne réagis pas automatiquement. J'ai stoppé de réagir automatiquement. Je prends maintenant mon temps avant de maintenant donner une réponse. J'ai compris que chaque personne vient dans ta vie pour une raison.
Parce que si tu sais vider ta tasse, tu vas apprendre. Et puis tu peux tuer ton ego, tu vas apprendre. Apprendre de chaque expérience, tu vas apprendre de chaque relation. Peu importe. Et tu vas aussi apprendre que non, il n'y a pas de succès sans un mauvais leader ou un mauvais direct. Juste que c'est le plan de Dieu. Ne regrette jamais tout ce que tu as pu bien faire. Ne te mets pas en train de te plaindre. Non, pourquoi j'ai fait ça là pour lui? Non. Tu donnes, va te rendre meilleur. C'est ce que tu donnes qui te rend meilleur. De sous-estimer tous ceux aujourd'hui qui ne sont pas performants aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont en train d'être loyaux près de toi, mais un jour, ils seront performants, tu verras. Sois positif et tu vas voir qu'ils vont faire la différence dans ta vie. Ils vont faire des résultats que tu n'imagines même pas. Tu vas voir que non, ça peut-être, tu as peut-être dit un jour que c'était vraiment une aventure difficile dans ma vie. Dis aussi qu'il n'y a pas d'erreur dans le plan de Dieu. Et tu verras que les choses vont changer. Chaque fois que tu vas commencer à grandir, à être une personne mûre, à grandir, à accepter les challenges, à accepter tout ce que tu vois, mais peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu fais, peu importe ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, tu continueras de grandir, peu importe les moqueries, ce que les gens disent de toi, peu importe ce que les sources médias disent, les réseaux sont en train de dire, peu importe ce que le gouvernement, peu importe les réunions que tes familles sont en train de faire sur toi, peu importe ce que tu es en train de vivre, sache que c'est le plan de Dieu. Et ça, c'est de ce plan que tu vas grandir. Rien, tout ce qui arrive dans ta vie, c'est le plan de Dieu. Sache que tout ce que tu dois faire, tu dois le faire dans l'amour. Et n'abandonne jamais les gens. Peu importe les personnes qui veulent abandonner, ne les abandonne pas. La peur d'être coach B, parce que tu dois pousser des gens. Et puis, même si tu les as perdus, tu as donné ton 100%, hein, c'est OK. Pousser à être meilleur. Moi, les gars, ce que j'ai appris des dates aussi vite, c'est ce que je vous ai dit. Il n'y a pas d'erreur dans le plan de Dieu. Cette terre ne peut bouger sans qu'il ait eu sa permission. Peu importe ce que tu vis comme difficulté, peu importe ce que tu traverses en ce moment, souris et embrasse la vie. C'est son plan. Tu acceptes qu'il n'y a pas d'erreur dans le plan de Dieu. Cette terre, non, rien ne peut bouger du ciel sans qu'il ait accepté. Commencez à avoir une clarté tellement simple et merveilleuse dans ta tête. Clarité, là, tu as besoin de ça pour faire ton max out. Je t'aime, mon frère. Le master plan, accepte le plan de Dieu dans ta vie. Viens une beauté.